nous sommes présentement à Silo. Je suis le chef de marque. Voilà, vraiment, grâce à Dieu, grâce au Ben Indri Germain et grâce à la bonté aussi de chef Thomas, voilà, on avait prévu faire un forage pour ce camp de prière. Et le forage, Dieu par sa grâce, a été réalisé en bonne et due forme et dans les règles de l'art. Et par la suite, Dieu voulant, et encore, je répète encore, par la bonté de chef Thomas, et puis par rapport au cœur ouvert qu'il a vraiment, nous sommes venus faire réaliser les travaux sur ce site. Et les travaux ont été réalisés en bonne et due forme, sans faute. On n'a eu aucun souci à la réalisation du forage. Et par la suite, par la connexion de la pompe et mettre l'eau dans le château, donner à la population, Dieu aussi par sa grâce et avec encore son bon cœur, les travaux se sont passés en bonne et due forme. Et aujourd'hui, cette population de Silo bénéficie de l'eau potable. Une eau qui vient d'une roche, c'est-à-dire la roche du début de la foration jusqu'à la fin de la foration, on a sorti cette eau potable qui est sans bactéries, qui est sans microbes et vraiment qui est une eau vraiment qui va soigner aussi toute personne qui va boire cette eau-là. Amen. Voilà, toute personne qui va se laver avec sera débarrassée de tous les maux, de toutes les maladies. Voilà. Dans ce camp de prière, ça je vous dis, c'est une eau qui a été bénite, une eau très bénite. Et c'est une eau que Dieu nous a donnée. Et quand Dieu il donne quelque chose là, il regarde ton cœur. Ce que tu es là, c'est ça que Dieu met devant toi. Donc c'est pour vous dire que chef Thomas a un cœur ouvert. C'est un homme qui est bon. Parce que quand tu es bon, devant toi, Dieu met tout ce qui est bon. Quand tu es mauvais aussi, il met tout ce qui est mauvais. Mais par rapport à sa bonté, Dieu nous a donné cette possibilité de réaliser cet ouvrage vraiment à 100%. Et je vous dis, cette eau, elle est consommable par toute personne. Même un bébé qui vient de naître, il faut le laver avec cette eau. Cette eau est très bénite parce que avant la réalisation de ce forage, chef Thomas a fait une prière spéciale sur le point de foration avant que nous nous ferons. Et spirituellement, c'est dit, tout ce que tu veux là, il faut demander avant que l'eau ne sorte. Et quand l'eau sort, tout ce que tu veux là, ça se réalise. Et c'est ce qui a été le cas avec chef Thomas. Et aujourd'hui, Dieu par sa grâce, grâce à chef Thomas, grâce à Omer Indri Germain, on a cet ouvrage là. Grâce à grâce à mon voilà. Donc vraiment, c'était pour faire ce témoignage pour vous dire que cette eau, elle est bénite. Vous pouvez quitter ailleurs, partout dans le monde entier, venir recueillir cette eau. Et tant que chef Thomas va prier sur cette eau, vous donnez, vous allez partir avec. Et ça sera une source de guérison, une source de bonheur, une source de pureté. Voilà, puisque l'eau, c'est la vie. Et on a eu cette eau dans la roche. On n'a pas eu d'altération. Tout a été la roche du début jusqu'à la fin. Et c'est du jamais vu. Vraiment, je vous remercie. C'était la parenthèse qu'on voulait donner. Je dis merci à Dieu. Merci à chef Thomas. Merci voilà. Patron. Ça met en haut. Voilà. La belle chef que Thomas. Dieu bénisse. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. On reçoit. Tout ce que tu cherches dans la vie. Amen. Que Dieu donne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci.